Hey yo tout le monde, les gens, c'est Dracosab, on se retrouve pour le 8ème épisode Just Play sur Final Fantasy XIII avec Omega LX. Hello tout le monde, ici Omega LX, on se retrouve pour le 8ème épisode de Final Fantasy XIII. Moi sur la PS3, ça brille sur le PC. Alors, on a commencé avec une très belle vue sur Lightning, vous avez vu. Très très belle vue. Nickel. J'adore ça. Et du coup, on peut continuer. Hein. Donc, la dernière fois, c'était une victoire contre le méga guerrier. C'est ça. Donc, là, la dernière. Hein, exact. Et là, on a fini avec... Oh, ils m'ont vu. Oh, ils m'ont vu, dommage. Oui, les crapauds. Oh, dommage. J'aurais pu les prendre par surprise. Il y a beaucoup de crapauds. Oui, moi aussi. Hein. Il y a beaucoup de crapauds, mais certains sont rouges, mais ils se font one shot, hein, clairement. C'est ça. Ils ont tellement pas de vie. Tu fauchages attaque et là, voilà, tu genre t'en défonces tellement. Boum! Allez, voilà, c'est quelqu'un crapaud bréchant là. Allez, moi aussi. Ridicule. Exact. Qu'est-ce que tu fais, Asaz? Allez, tiens, dégage. On dirait que je suis joué à ma place. C'est exactement la même chose qui se passe. J'ai gagné. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on gagne? Comme ça pour ouvrir. Des fusils étranges, des fusils énigmatiques. Et un fortifiant. Oh! Oh, GG, la chatte. En même temps, j'appelle Sabri, non, je rigole. Attends, je vais essayer. Va vers la droite. Je vais essayer des objets, ouais. Vers la droite, hein, et on peut sauter. Oui, c'est ça. Okay. T'as un autre tuyau avec des crapauds et un item. Exact. On s'est fait. Alors, prends. Surprise, s'il te plaît. Alerte, putain. Oui! Comment te dire que ça va aller vite? Surprise. Attaque surprise. GG. Ah non. Ah pourtant eux. Ah bah non. Pourtant j'ai pas eu alerte. Hein. J'ai pas compris. Ah bon. Bon. Petit bug du jeu peut-être, non? Non. Why not? Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi, hein. Peut-être que c'est fait. Peut-être que c'est fait en sorte que tu n'aies jamais d'attaque surprise sur eux. C'est possible, hein, ouais. Plus énigmatique. Alors si je me rappelle bien, c'est du fric ça, ce coffre. Alors, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a fluide énigmatique. D'accord. Est-ce encore... Ah, on l'a mis en... Oula. Oh, c'est beau le vide. T'as vu? Regarde en bas. Ah oui, j'ai vu. Oh. Au moins, il n'y a plus rien ici. On a tout... Bah écoute, on peut... Suivant la flèche jaune, c'est ça maintenant. Let's go. Alors... C'est par là. Alors, est-ce qu'il y a des coffres? Ah oui, le truc avec le pont, je me rappelle. Attends, dès que tu vois un pont, tu me le dis. Alors. Il y a un truc à faire. Oula, wait. J'arrive. Il y a un petit bug, mais c'est bon. Mais j'ai... What? Ça charge? What? Attends. C'est qui elle? C'est Vanille. Est-ce qu'on peut aller à gauche? Il y a une impasse. Oui, avec des panthérons et un coffre. Non, c'est... Ah non, à droite, je veux dire, à du droite. Vide, à gauche, y'a rien, en tout cas. Oui, y'a rien. À droite, t'as une impasse avec des panthérons et un coffre. Des panthérons, pardon. Il se croit au Pokémon, lui. J'y peux rien, hein. C'est l'habitude, hein. Ah, oh, c'est quoi, ça? Ce truc en haut. Wow. Le truc qui est pris de vanille et hop. Oui, la grosse machine, ouais. Jusqu'on te dire qu'on va la frapper. Panthéron, attends, attaque surprise, y'a moyen. Vas-y. Chrome maléfique. Oui, attaque surprise. J'ai Sabri. Nickel. J'ai Sabri. Bravo qui? Bravo Sabri. Fauchage. Vous allez vous faire one shot. Cherchez pas. Ne cherchez surtout pas. Dégage Taras, à la suite. Alors, hop. J'enchaîne. Hop. Oh, Panthéron. Pfff. Oh, je rigole. J'ai gagné. Et le butin. Croix et bréché. Et un furtif numéro 6. Encore un fortifiant, quoi. C'est la gueule. Attends, deux secondes. Il y a un coffre, non? Oui. Oui. Gros maléfique, il y en a 7. C'est ça. Il faut l'équiper à quelqu'un? Non, c'est du butin normal. Là, tu vois la grosse arme que tu viens de te montrer, là. C'est d'aller à côté jusqu'à avoir l'option examiner dessus. Alors, attends. Et puis on va à la côté pour voir. Bah, il faut. Hein. C'est bon. Examinez. Oh là là. Oh, ça s'effondre.
Non, mais... regarde le crapaud. Ah. Ah, donc les crapauds rouges, c'est des crapauds sanglants. Alors... Oh là 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 là. Oui. Il va falloir en combattre beaucoup, hein. Allez, c'est parti. Comment dire que j'ai faim? De combat, hein. Ah, d'accord. J'ai compris autre chose. J'ai la soif des combats. Let's go. Alors là. Oh mais qui en a 10 ou quoi? Alors là. Alors là. Pochage, go. Il est possible. Pochage. Oula. Tac. Let's go. Ça va gagner au niveau de ta voix. Je t'aurais buté tellement moi. Moi aussi. 3-4 d'un coup. Les barres sanglantes, ça résiste juste pas, c'est horrible. Lightning se prépare. Je te les défonce. En plus, oh en choc, mec, c'est bim, ça fait des dégâts. Bim, bim. Il m'en reste un. Impulsion, bim, bim. Il m'en reste deux, un. Ah non, deux. Il va être caché encore. Dont un qui est mettre au KO. Voilà. Moi, j'ai fini. 45 PC, pourquoi pas. Nice. Oh, le choc qui fait plaisir. Ah. On a un point de sauvegarde juste après. Nice. Alors est-ce qu'on... Ah oui, je crois qu'on va entrer sur une nouvelle zone. Oui, oui. Fluide et bien. Une nouvelle zone? Oui, je crois. Alors. Bah, continue tout droit. Continue tout droit. Tu m'as dit qu'on pouvait sauvegarder. Ouais. Là, bah, le point de sauvegarde est juste là. Tout droit, toujours tout droit. Après le pont, hein. Oui, oui. La flèche jaune, hein. Okay. Ah oui, je vois le S, là, c'est terminal. Moi aussi. Let's go. Sauvegarder, hop. Voilà qui est fait. Donc, nice. Attends, j'ai fini. On a arrêté de tourner à quelle heure tout à l'heure? Donc, c'est celle-là, non? Adieu et promesse, la Brescia vallée des cristaux. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est création d'une nouvelle sauvegarde. Au pire, je vais prendre celle-là. Non, non, fais pas création d'une nouvelle sauvegarde. Tu prends la numéro 6. J'en ai tellement plein des créations, putain, c'est. Oui, faut que tu prennes le numéro 6. Du coup, on continue. Cinématique. Fuck! Quoi? Regarde Saz, la position de Saz en bémote. Oh mon dieu! On va l'affronter? Oh oui. Oui, oui. Il est fort? Oh le technique! Genre! Alors, vas-y, attends. Non, on peut pas invoquer tout de suite. Non, mais je vais tester bien les. Vas-y. Oui. Les techniques sont des compétences spéciales qui s'utilisent indépendamment de la jauge ATB et qui requièrent des points de technique. La barre jaune que tu vois en dessous de ta vie. Ok. Bon. La jauge DPT est disponible en dessous de la jauge DPB, voilà. Sélectionnez technique pour utiliser ce que vous avez acquise, acuité, qui te permet d'avoir toutes les informations sur l'ennemi que tu combats en gros. Là t'appuies sur R1, sur... enfin après tu t'arrêtes. Acuité, acuité plutôt. B. Non mais après. B mode alpha. Tac. Ouais, et qu'est-ce que ça permet de faire? Vas-y. Bah, ça te permet de tout savoir sur l'ennemi. La technique acuité permet de discerner les caractéristiques des ennemis telles que leur PV, leur seuil de choc et leur affinité élémentaire. Vous pouvez voir ces informations à tout moment en appuyant sur R1. Donc ça, ouais. Vous voyez les caractéristiques. Oui, voilà. Bah, je peux le dire, moi. Mm. Cela modifie le comportement des équipiers et les compétences choisies par les commandes automatiques. Oui, parce que maintenant, ils savent à quoi il est vulnérable. De façon à effectuer les actions les plus appropriées. C'est ça. Grâce à Acuité, vous venez, par exemple, d'apprendre que cet ennemi est vulnérable au feu et à l'eau. Les personnages dont le rôle propose des compétences de ces éléments tâcheront donc de les utiliser pour infliger plus de dégâts. Ces techniques sont très utiles lorsque vous affrontez des ennemis inconnus qui paraissent particulièrement coriaces. D'autres techniques d'acuité, dont le coût en PT varie en fonction de leur puissance, seront disponibles au fur et à mesure que vous développerez les capacités des personnages, à savoir l'invocation aussi. Rydia. Contrairement... c'est ça. Non mais chaque perso a une invocation aussi. Okay. Contrairement au PV, les PT ne sont pas entièrement restaurés après chaque combat, mais se récupèrent peu à peu en réussissant des enchaînements de compétences qui remplissent la totalité de la jauge ATB ou en obtenant un rang élevé à la fin d'un combat. Ah maintenant, à vous de jouer. Auto-attaque, let's go. Oh la vache, il cogne le con. Ouais, il fait mal, hein. Ouh là là. Bon, j'enchaîne, go. Mais on cogne aussi, également. Oui. Je suis en mode auto-attaque à chaque fois. Moi aussi, moi aussi. Oh, il va attaquer. Ich. Vas-y, oh, Lightning. Bani, Karamas. Charge 50%. Putain, le Behemoth Alpha, quoi. Oh, mais juste ça. Ah, il cogne, hein. Et bon, enfin, je peux tenir 3 coups, hein, Maxime. Tu peux changer de stratégie pour te mettre en polyvalence, il y a Vanny qui te soignera. T'inquiète pas, il est presque mort. Pas de soucis. Bah, je crois que je l'ai eu, en fait. Voilà, je l'ai gagné. Ah, il est mort, ouais. Allez, salut.
5 étoiles, nice. Est-ce que j'en ai 5? J'ai rien gagné. 5? Ah si, 5. Putain. 36 griffes encrassées. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Attends, je regarde quand même. Moi aussi, rien. Y'a rien, ok, cul de sac. Ensuite, y'a une impasse. Droite. Ouais, donc, à droite. On va y aller, hein. Ouais, coffre. Y'a un coffre, ok. Exact. Un analyseur, c'est la même chose que Acuité. C'est un item, qui permet de discerner les caractéristiques des ennemis. C'est ça. Ok. Suivant la flèche jaune. Ils auraient pu nous faire sauter directement pour essayer de recontourner l'impasse et tout, hein, franchement. C'est ça. Mais bon, allez. Ils sont un peu cons. Mais... Ah, y'a encore une impasse là. Ouais, non, c'est pas une impasse. Allez, le pont. On suit la flèche jaune. Wow, c'est beau. Cinématique. Allez, cinématique, go. Ah oui. Survivors. I hope everyone made it out okay. So do I. But nowhere is safe for him now. Damn it. Just cause they shared a neighborhood with a foul sea. They get treated like post-tainted rats. People really hate Pulse, don't they? Not hate. More like fear. Tens of millions of people, all scared of Pulse boogeymen. They'd be shaking in their beds every night if they knew a sea like us were around. But... they purged that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum Fauci did nothing to stop it. Up until now, Eden's always stepped in to correct their errors in judgment. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. What is that? The sea are not human. Listen, you. That's enough. Oui. Et lui aussi, il a reçu la marque DLC. C'est ça, non? We're still alive. That's something. La X. Ouais. Ah, okay. Pas de la cinématique pour moi. Non. D'où ça vient? Je sais pas. Ah ouais. J'ai l'impression que t'as ralenti pour toi parfois. Parce que je suis toujours en avance sur toi par la cinématique. Bah écoute, je tourne après. Forcément, on sera plus ralenti que toi. They're trying to trap the stragglers. We gotta get moving before we're caught in the net. Alors. C'est bon. On voit même pas l'objectif. Tu peux avancer? J'ai l'impression que tu bugs un peu au niveau de Skype. Parce que ça fait des petits freeze au niveau de la voix. Oula. T'es sûr? C'est bon. C'est jaune? Hein? Flèche jaune. De quoi flèche jaune? Ouais. Ouais, suis. Alors ça c'est des ennemis j'imagine. Ah oui, des soldats. Oh, alerte. Allez go. Bon, ça c'est des hauts gradés je crois. Faut charger, ils vont crever, ouais. J'imagine. Même pas. Ah oui. Ils ont de la vie quand même. Enfin, non, ça va. Ils prennent cher quand même, mais bon, ils sont plus résistants que les... que ceux d'avant. Ça c'est sûr.
C'est bon, il est mort. Voilà qui est fait. J'ai gagné. Y'a pas de coffre, y'a pas de coffre, ok. Y'a de plus en plus de cristaux illuminés. Ouais. Ah, on avance sur une. Ça a lagué, ça a lagué fortement là. C'est bon, ça revient. Vous verrez hein, que ça lagué un petit peu, vous, je pense que vous l'avez vu, mais bon. Ça va. T'attends sur une zone un peu ouverte là. Il y a des monstres, j'arrive, enfin des j'arrive, robots. J'arrive. Ah, j'ai réussi à récupérer l'objet avant. Un objet? Ouais, à droite. Il y a un trésor. Ah, d'accord. Bon, bah, moi je fais les robots. Hein. Ça, c'est utile ça. Pour les Kiben? Non. Let's go. Ah, ils m'ont vu. C'est con. C'est con, ils m'ont vu. C'est un peu des robots, ils ont des détecteurs, hein, c'est con. Et des drones de surveillance, c'est pas pour rien. Ils cognent, hein. Dès le départ, ils te... Non. Coup électrique, par contre, super. Allez, choc. Il va faire mal, je crois. Hein. Soigner. Bon, ça va. De toute façon, les potions en organique, donc c'est pas grave. Voilà. Circuit numérique. Ok, j'en ai gagné deux sur le combat en plus. Coup électrique. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait un peu plus de dégâts mais rien de dangereux. Il est mort. Ok, j'ai récupéré le coffre, j'ai fait les monstres. Je t'attends, on avance. Oh, ce serait pas un maraudeur ça? Ah non. Ok, encore des soldats. Let's go. Sur le pont, ouais. Oh. Attaque celui avec la mitraillette. Trop tard. De préférence. Pochage. C'est lui qui fait le plus de dégâts. Aucun dégât, tu veux dire? Non, celui derrière il a pas de vie, c'est celui qui fait plus de dégâts. Ils sont morts quoi, tous les deux en fait. C'est bon. J'ai jamais dit que c'était dur. Hein. Pour le moment. Alors, on saute. Faut sauter. Faut sauter. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a des coffres à choper, donc faut faire attention. J'ouvre un peu l'œil là. Non, pour l'instant, il n'y a rien, on fait que sauter. Ok. Oui. C'est bon. Sauter, continuer. C'est beau, hein, mine de rien, me dire qu'on laisse tout ça, quand même. Hyper. Juste beau, ça. Alors, moi je prends le chemin de droite, là. À sauter. Ouais, moi aussi. Là, si... Ouais. Ah, il y a un item parfait. Où ça, alors? Même deux. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Déjà, un en haut, là. Huile de paraffine. Bah t'en as deux, hein, continue tout droit. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'huile de paraffine. Tu vas tout droit, t'en as un autre, avec des coffres. C'est des Gilles. Gilles, et il faut sauter encore. Let's go. Ouais. Ouh, ce lag. Oh, putain. Ah, il y a un point de sauvegarde. Ouais, j'ai vu. Oula! What? Oh merde! Oh, un putain. Oh une moto! Oh une moto! Laisse-moi sauter de... Oh une moto! S'il faut chage, go! Avec un drone de surveillance, hein. Ouais. Par contre, la moto elle est dangereuse, hein. Fais attention. Une Siconia, ok. Elle prend rien, mon dégât? Oui. C'est pour ça que c'est chaud. C'est pour ça que c'est chaud justement. Enfin ça c'est seulement quand on charge le laser. Hein. J'ai rien dit, elle prend des dégâts. Après elle ramasse. Oui. État de choc, alors là elle va ramasser. Touc. Bon. Allez, on continue.
Elle ramasse hein, quand même, mine de rien. Siconia. Je vais essayer de la buter dans son état de choc. Donc... Ah, faut encore un coup, dommage. Bon, ça va, ça va. Ça va le faire. Bah écoute, je l'ai boom, eu, moi. Boum, boum, boum. En état de choc. Ouais, moi aussi. Non, j'aurais esquivé, quoi. Ouais. Intéressant, cette nuit, quand même. Allez, bande de sauvegarde, déjà, première chose que je fais. Exact. Sauvegarder. J'appuie juste si t'as pas quelque chose à récupérer. Oui, voilà. Ah bah si, derrière t'as un coffre. Derrière la bande de sauvegarde, t'as un coffre. Enfin, pas vers la flèche jaune, dans le sens opposé. Ouais, je vois ça. Trois câbles isolés. Aussi. C'est ça. Allez, je vais sauvegarder encore. Comme tu veux. Combien de temps de vidéo, Sabri? On est à 21 minutes, là. Ok. Tout va bien, alors. Sauvegarde. On a avancé, là, c'est bien. Cinématoche. Attends. Fais pause. Fais pause. Quoi pause? Attends, oui, 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 oui. Quoi pause? Attends-moi quand même. Quoi pause? Quoi pause? C'est bon. Allez. Mon Dieu, juste ce paysage quoi. Tu veux essayer? C'est ça. Ouais, faudrait déjà savoir ce que c'est pas faux. Ouais. Flashback. Petit décalage entre la voix des personnages et le dialogue, hein, pour moi. En général. Ouais, ouais, clairement il y a un décalage. Peut-être que c'est lent, hein. De quoi? Peut-être que c'est parce que c'est lent. Non. Enfin, peut-être. Ou pas, au fait. Je t'attends. Voilà. Let's go. Let's go. Bien étroit le passage là. Il y a des mobs dedans. Allez go. Enfin des robots. Ouais, où je vais aller, faut appel, sauter. Appel au fauchage. Appel au gangbang au fauchage. Let's go. Boum. On touche les trois. On répète. Fauchage. Ah vous cognez hein. Ah, c'est... Mais il met rien en fait. Non il met rien, non. La merde. La merde. De la merde pure. De la merde. De la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça, ce qui a ramassé un coup là. Choc. Allez, boum. Allez, bim, t'es mort. C'est fini. Faudra penser au Cristarium, hein, bon, on fera ça en fin d'épisode. Coffre. Le bruit de vanille à la fin. Yes. Tranquille, ouais mais please. C'est étroit mais c'est beau hein. Ce que tu vois. Ouais ouais c'est beau c'est vrai. Un coffre. C'est des giles. Encore un coffre. Putain regarde-moi ça. Oh là là, mais c'est cristaux quoi, regardez-moi ça. Enfin, regardez, vous verrez ça avec Sabri, mais... Ouais. Tu verras quand tu récupéreras le deuxième coffre, tu vas avoir des cristaux derrière. Alors, il y a un... Arrête de laguer, s'il te plaît. Non ! Voilà, c'est bon. Ah, ça charge un peu. Vas-y, fais-toi juste regarder le truc. Alors, cristaux. Enfin, un cristal. Un coffre. Ouh là là ! Des griffes c'est flash, mais c'est beau. C'est ça. Bon, on continue. Oula, oh mes yeux. Porte de l'Antiquité. Ah non, c'est bon. Lac Brécha. Ouais, ça a changé, c'est bon. On va changer de paysage. Bah écoute, on a un point de sauvegarde ici. Est-ce que tu veux t'arrêter là? 25 minutes. Allez, ouais, pas con. Ça pourrait être bien.
Attends, bon, avant de sauvegarder, Crystarium. Pas con. Le point il est où? Ah oui, il est là. Ah, il faut monter l'escalier un peu, d'accord. Oui. Oh, l'escalier. Oh, regardez comment c'est beau en haut. Oh, voilà. Alors, Crystarium. On y ira attaquer là-bas. Alors. Alors, attaquant pour Lightning, hein, comme d'habitude. Donc, attaquant Lightning. Oui. J'ai complété, moi. Donc, tout? Jusqu'à impulsion? Oui, oui. Oui, tu mets. Tu, magie plus 6, voilà, c'est bon. Rempli, okay. Ouais. C'est ça. R1. Alors attends, ravageur, bah augmente le. Ravageur pour Vanille. C'est. Tu peux plus avancer plus avec Lightning? What? Bah c'est le maximum, non? Wait. Ah non non. Alors, reviens sur Lightning. Bah non, reviens sur Lightning. Oh, t'as pas fait la bifurcation là. C'est bon, j'ai tout. Magie plus 4 et tout là. Ah, bah appuie sur rond et va dans Ravageur pour Lightning aussi. Si t'as encore des points, et dépense-les. Non, je peux plus. Je peux s'arrêter à force plus 4. Oui. Ah bah c'est bon. J'ai plus de PC. Bah R1, Vanille, écoute. Ravageur. Tu complètes Ravageur, tu vas dans Souvenir. Normalement tu peux. Hein, magie plus 5, c'est bon. Je crois que j'ai tout fait, non? C'est ça. Après tu vas dans Souvenir. Hein. Ouais, Souvenir. Non, non. Au pire, tu veux savoir si t'as rien loupé quand tu finis Soigneur. Quand t'appuies sur rond, en bas t'as cristaux acquis, compétences, bonus PV, force. Il manque le bonus, il manque... Alors j'ai 0 sur 2 bonus force, 1 sur 2 bonus PV et 1 sur 2 bonus magie. Compétences... Non, ça c'est Soigneur. Ça c'est Soigneur, ça. C'est normal, tu l'as pas complété. Ouais. Ça c'est Soigneur, tu l'as pas complété. Le Ravageur, normalement, il devrait être complété. Maintenant, 16. 16, continue sur Ravageur, ouais. Je me suis arrêté à taper plus 30, moi. Moi aussi. Même force plus 7. Attends. Force plus 7, je me suis arrêté. T'as pas fait la bifurcation? Bifurcation. APV plus 20. C'est où, ça? Oh, regarde, PV plus 20, t'as une bifurcation PV plus 30 et si, R. En bas, PV plus 30. Et je vais aller en dessous, PV plus, force plus 7. Et t'as pas fait la bifurcation PV plus 30 et R? Non. Faut que tu la fasses, hein. Bah, j'ai trop tard. Quand t'auras les points, Ouais. Pour rater ça. Et enfin, on finit avec... Oh, pff. Tacticien, allez. Magie, plus 3. J'ai Soigneur. Tout complété, hein. PV plus 10. Voilà. J'ai tout fait. C'est bon, t'as tout fait. Et là, tu vas dans Soigneur et tu gaspilles le reste de tes points. Là, je peux pas aller plus loin. Bah non, je suis PC. Bah là, on sauvegarde et on peut s'arrêter ici. Sur ce, les gens, ben, on va se quitter là, donc on va conclure. Donc n'hésitez pas à liker l'épisode, à le commenter, à vous abonner à ma chaîne, également à celle d'Omegala X, et on vous dit rendez-vous pour le 9ème, déjà le 9ème, hein, vous avez vu. Ouais. On changera de paysage dans l'épisode, ce sera beau, hein. Comme toujours. Il y aura bientôt un boss, je crois, il y aura bon, celui que... Voilà, quoi. Ouais, bah dans soit l'épisode prochain, soit dans deux épisodes, on verra. Nickel. Avec une musique épique qui va s'annoncer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, mettre favori, partager, vous abonner, etc. Mettre des commentaires. Et on vous dit bye tout le monde. Vous connaissez les choses. Tchuss.